Permettez-moi de vous parler comme étant le plus distingué. Vraiment, merci beaucoup. S'il vous plaît, essayons juste de louer l'Éternel. Est-ce qu'on peut glorifier son nom pour ce qu'il vient de faire dans notre vie? S'il vous plaît, prions au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, ô Dieu tout-puissant, l'omniprésent, l'omnipotent, ô l'omniscient, je te remercie pour ton fils. Je te remercie pour ce que tu as eu à accomplir dans la vie de ton fils à travers moi. Sanctifié soit ton nom. Tu es saint, ô Père éternel. Ton amour est inconditionnel. Je te remercie encore pour la confirmation de la prophétie que tu m'as utilisée, plutôt que tu m'as donnée. Je te remercie. Je bénis ton saint nom. C'est notre humble prière au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je suis très ravi. Encore une fois, merci beaucoup. Le plus distingué. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me rendiez un service. Votre femme. Pendant qu'on était en train de prier, l'Esprit Saint m'a révélé quelque chose. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. S'il vous plaît, dites à votre femme de ne pas s'engager dans un voyage, n'importe lequel. Jamais elle doit éviter toutes sortes de voyages. Ok. Ce serait tout. Ok, je lui dirai. Comme vous l'avez dit. Vraiment, merci beaucoup. Remercie plutôt Jésus. Wiki, je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu. Mais c'est quoi, Bishop? Wiki, je crois t'avoir dit que je ne veux pas que le fille moche vienne ici. Hein? Non, je ne veux pas. Tu dois sélectionner les filles que tu amènes ici. Mon esprit déteste les filles moches. Vois-tu, lorsque je vois une jolie fille dans la paroisse, ça me fortifie, ça me donne plus de courage pour mieux prêcher. Bishop, si c'est à propos de Peace, je n'ai jamais réalisé que Peace était moche. Peace est moche. Oh. Elle est moche. S'il te plaît, trouve-lui d'autres places, pas dans ma paroisse. À la porte peut-être, s'il te plaît. D'accord. Bien. Tu dois le faire. Les filles moches à mes côtés, c'est pas la vie dont je rêve. D'accord. S'il te plaît, tu ferais mieux d'amener ton ami ailleurs, pas ici chez moi. Oh. Ok. Je ne veux plus qu'un incident pareil se reproduise. Ne vous en faites pas, c'est bien compris. Zurutu! 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 Zurutu!
Salute! 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 Banga! Banga! Salute! Banga! Banga! Bienvenue, mon humble serviteur. Bon retour à la maison. Maintenant, tu as une place parmi nous. Les hommes et les femmes, ils seront tous à ton service. Les rois et les reines seront tous à ton service. Porte ça. Maintenant, tu as un grand pouvoir. Personne. 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 Tu es le seul. Pas. Pas. Zoulou, quand je fais appel à toi, tu me réponds. Zoulou les grands. Zoulou les grands. Zoulou les grands. Tu me réponds quand je fais appel à toi. Tu es grand. Be careful what you are doing. For God is out there watching you. No man will ever escape the rewards of what he did. Be careful, God is watching you. Be careful what you are doing. Écoutez, je suis désolé, aujourd'hui je ne recevrai personne. D'accord. Ok, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Ok, demain je serai libre, je vais vous recevoir demain. Oui, Bishop, merci. D'accord. Suite aux actes criminels qui se produisent de nos jours, une autre tragédie s'est produite aux premières heures de ce matin, où un avion qui s'envolait pour Dubaï a craché sur l'Atlantique et a causé plusieurs morts. Toute une équipe de sauvetage a été précipitée sur les lieux, avec l'espoir de pouvoir trouver des vivants sur les lieux du crash. Mais ils n'ont trouvé aucun corps. Ils se sont tous noyés. Écoute, Bishop, je ne saurais te remercier assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Ainsi que pour ma famille. Bishop, merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Honnêtement, je n'étais pas contente quand mon mari m'a parlé de votre vision concernant mon voyage à Dubaï. C'est juste que je n'aime pas annuler mes vols. Mais après avoir entendu le crash qu'a connu ce même avion, je sais maintenant que vous êtes un homme de Dieu vraiment crédible. Prenez ça. C'est une offrande d'action de grâce. C'est 5 millions. Merci. Dieu aime cela qui lui donne. Qui suis-je pour refuser ces cadeaux? Le Seigneur continuera à vous bénir tous les deux au nom de Jésus. Amen. Êtes-vous en train de préparer
une quelconque cérémonie? N'importe laquelle? Oh, le Seigneur me montre quelque chose. Ouais, c'est la vérité. Je planifie l'enterrement de mon père d'ici la fin du mois. Un démon! Dieu me montre la méchanceté. Oh! Vous devez mener une vie de prière. Je vois un très grand danger. L'ennemi est là et il veut détruire votre foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il ne vous fera rien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Car il dit que s'il est pour nous, personne ne sera contre nous. Amen. Au nom de Jésus. Quel est donc votre programme au courant de cette semaine? Voyez-vous, on a des rencontres hebdomadaires avec les filles de Dieu. En tout cas, on ressent de l'Esprit Saint dans chaque rencontre. Les miracles s'opèrent. Bishop, je serai là. Je serai là. Oui, je viendrai. Dites-moi seulement où et quand je serai là. Trop bien, je te dirai l'endroit. Même au téléphone, mais l'heure de la rencontre, c'est 22h. Je viendrai, chérie. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est bon. Quoi que l'homme de Dieu dira, je serai d'accord. Je viendrai. Cette semaine, je viendrai en prière. Que Dieu soit loué. Je crois que Dieu va nous réserver des grandes surprises. Bishop. Oui, mon légal. J'ai remarqué que l'argent versé dans mon compte pour le compte de conférence de l'église a disparu mystérieusement. C'est quoi donc le problème? Mon légal, voyez-vous, ce sont de petites complications. On a connu pas mal de problèmes avec les membres de l'église, mais on va l'arranger. Bishop, j'ai bâti cette église non comme une œuvre de charité, mais comme l'un de mes investissements. Je désire que le 70% de la convention qui nous lie, moi et toi, avant que je ne te donne l'administration, soit strictement respectée. Je sais. Mais en même temps, j'aimerais aussi que vous compreniez que je fais de mon mieux. Oui, je sais que tu fais de ton mieux. Mais je bâtis cette église dans le but d'en tirer profit. Et à part ça, je viens de remarquer que tu utilises des gardes du corps. Pourquoi? C'est pour ma protection contre les potentiels ennemis. Voyez-vous, mon légal, je dois rester en vie pour la survie de l'église. Et qui les prend en charge? L'église. Pourquoi? Ce sont tes propres affaires. Tu es le seul qui veut avoir des gardes. Et tu dois prendre la responsabilité de les payer. Ai-je été clair? Donc, puisqu'il a construit l'église, je ne peux plus être libre ou faire ce que je veux. Ignore-t-il que tous ces gens qui viennent à l'église viennent à cause de moi? D'ailleurs, il doit me donner ma part, parce que sans moi, il n'y a pas d'église. Il n'y aura pas non plus d'investissement. Le voilà. Le voilà en train de parler d'argent comme s'il me l'avait prêté. Et, représentant légal ou je ne sais moi comment on t'appelle, tu dois faire attention. Sinon, tu vas tout regretter. Tu regretteras et perdras l'église que tu appelles ton investissement. Je vous ai entendu, mon légal. Je verrai ce que je peux faire. C'est très bien. «
Merci beaucoup, monsieur. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus. Je ne suis pas de bonne humeur. Je veux quatre. Quatre jolies filles. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Be careful what you are doing, for God is out there watching you. No man will ever escape the rewards of what he did. Be careful, God is watching you. Alors, Bishop, comment t'es senti? Tu me demandes? Avec des filles pareilles, comment veux-tu que je me sens? Elles ont détruit toute ma colère. Wow. Ah, la vie est belle. Bishop. Oh, Bishop. Nous sommes toutes à ta disposition. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oh, mais bien sûr. Louons l'Éternel. Alléluia. Vas-y, ma belle. Mangez haut. Comme je vous avais jadis dit, celui-ci, c'est le pasteur Isaac Johnson.
Il fut mon collègue au collège de pasteurs. Je l'ai recommandé pour la bonne gestion de l'église. Ok. Bienvenue. Merci, Gio. Bienvenue. Combien d'années avez-vous exactement passé au collège? J'ai déjà 8 ans dans le collège. Et j'ai été appelé par mon mentor spirituel qui est ici, le révérend... Bishop. Oh, désolé, le bishop Bétrin, pour lui venir en aide par rapport à la bonne gestion de l'église. J'ai établi cette église pour Dieu, mais c'est aussi parmi mes investissements financiers. Voilà pourquoi je dois en tirer profit. Et un versement régulier d'argent dans mon compte. Je crois que le bishop t'a suffisamment expliqué comment les choses se font, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que si. Bien, comme un nouveau venant dans le ministère, dans mon ministère, je devrais te donner 20% sur les 100% de recettes. Tu as compris? Oui, je l'accepte. Très bien alors, Monseigneur Bishop. Oui, mon légal. Vous allez accompagner notre ami pour aller signer le papier nécessaire. Bien sûr qu'on le fera, comme d'habitude. Une fois de plus, bienvenue. Bienvenue. Eo, attends-moi s'il te plaît. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je ne fais plus partie de la comité, n'est-ce pas? Je ne suis plus la bienvenue? Qu'essaies-tu de dire? C'est à présent Martha, Mélie, Stacy et Mina qui sont devenues le préféré du bishop. Esther, comme tu peux le remarquer, j'étais en train de sortir. J'ai une réunion très très importante. Je vois clair dans ton petit jeu. Oui. Je me suis déjà apprêtée pour toi, ma chère, t'inquiète. Tant que tu crois vraiment que tu veux me ravir ma place. Et qu'est-ce qui te donne le droit de me parler de cette façon? As-tu perdu tes sens? Hein? Oui, qui? C'est bel et bien toi qui as perdu tes sens. Oh, attends un instant. C'est juste parce que tu es la dirigeante de la chorale que cela te donne le droit de nous intimider, n'est-ce pas? Je préfère m'occuper de mes affaires que parler avec une folle comme toi. Si tu oses encore, je t'enseignerai une très bonne leçon de la vie. Je ferai de tout mon mieux pour que tu ne bénéficies de rien venant du bishop, n'importe quoi. Be careful what you are doing, for God is out there watching you. No man will ever escape the rewards of what he did. Be careful, God is watching you. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais que tu es une jolie femme? Cet homme est en train de vous faire souffrir. Tu sais quoi, hein? Tu sais, on doit bien s'occuper de toi. Si tu m'acceptes, je peux faire un tas de trucs pour toi. Tu sais, s'occuper de toi comme un bébé. Hé, écoute, je ne suis pas ton bébé et je ne le serai jamais. Retiens-le. La prochaine fois que tu vas essayer de m'appeler ainsi, j'irai le dire au bishop. N'importe quoi. Bêtise. Va te faire voir. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ah, Nawao. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la responsabilité de choisir ce qui est mal et ce qui est bien
repose entre nos mains. Et comme le leader de l'église, juste comme Josué qui avait conduit les enfants d'Israël dans la terre promise, il t'a choisi pour que tu sois à son service. Comme moi et les miens avons choisi de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je nous ai tous rassemblés ici pour qu'ensemble nous puissions donner nos vies en nous abandonnant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande à notre Père Céleste de nous aider, nous guider, nous donner la force et sa grâce pour qu'enfin nous puissions accomplir toutes nos tâches au nom de Jésus. Amen. Pardon, fais tout ce que tu peux, tout ce que tu peux pour me faire sortir de cet endroit. Alors, écoutez bien mes instructions. Si vous voulez le reprendre vivant, j'exige une somme de 100 millions cash dans exactement 3 jours. Ça ne devra pas aller au-delà des 3 jours. C'est moi qui vais déterminer où le pognon sera déposé. Et rappelez-vous, pas de police. Je le répète, pas de police. Quoi? C'est pas vrai? L'illégal est kidnappé? Attends, mais quand? Es-tu sûr de ce que tu dis? Quand est-ce que cela est arrivé? Oh mon Dieu! Le pire vient de se produire. Le pire, oh non! Où es-tu maintenant? Ok, c'est bon, c'est pas grave. Juste calme-toi. Ok? Dieu est au contrôle. Il va nous assister. Ok? Maintenant, écoute. Écoute-moi très bien. Je veux que tu convoques tous les leaders de l'église. Convoque une réunion dans l'immédiat. Je dois leur parler. Oui, c'est ça. J'ai 2 ou 3 choses à leur dire. Ok? Et le plus important, ne dis à personne ceci. Je veux dire, ne raconte ceci à personne. Ok? Ne le fais pas, s'il te plaît. Ne le fais pas. Ok? C'est bon, à plus tard. Ok, s'il te plaît, n'oublie surtout pas. Trop bien alors, merci. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, le légal vient de se faire kidnapper. Oh mon Dieu! Kidnapper? Je viens juste de lui dire de convoquer tous les leaders de l'église. Je dois leur parler immédiatement. Chérie, ça va très bien se passer. D'abord, prions. Recommandons tout entre les saintes mains de Dieu. D'accord, chérie, prions. Au nom de Jésus. Amen. Au nom précieux de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bishop, mais c'est encore quoi ces problèmes? Les numéros ne passent plus. Ah. Bien, prions alors pour qu'il nous rappelle.
Mon Dieu, je t'en prie, viens à notre secours. Mais c'est quoi ça? Mais 100 millions, c'est vraiment beaucoup d'argent. Ah ah! S'il vous plaît, prions. Prions. Au nom du Père et du Fils. Ok, on commence par la chanson qui est en anglais. D'accord. You make my life so beautiful. Une, deux, allons-y. You make my life so beautiful. And as you have made me here on earth. There's nothing greater than thee. That's why I love you forevermore. You make my life so beautiful. And as you have made me here on earth. There's nothing greater than thee. That's why I love you forevermore. I want more of you. I want more of you. I want more of you, Jesus. The more I know you, is the more I want to know you, Jesus. More of you. I want more of you. Esther, tu n'es pas censée faire le soprano? Esther, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dernier avertissement, si tu continues avec ces comportements, ma chère, si tu reprends ma chère, je te mettrai à la porte. C'est encore quoi ces idioties que tu es en train de dire? Un wiki. Donc c'est juste parce que tu es la dirigeante de la chorale que cela te donne le droit de mettre les gens à la porte comme bon te semble? Écoute, nous ne sommes pas tes bonnes, ok? Esther, je peux clairement voir que tu deviens folle. Hein? Oui! Moi, c'est plutôt toi et toute ta génération qui est de fou. Esther, ose le redire. Tu auras une très belle leçon de ta vie. Dis-moi, c'est parce que tu es ma mère ou c'est ma patronne? Oh, tu auras ce que tu cherches. Allez, vas-y, fais ce que tu veux. C'est à moi que tu dis ça? Tu n'as même pas. Corrige-moi. C'est à moi que tu dis ça. Tu penses que je ne peux pas? Vas-y, tu penses vraiment? Qu'est-ce qui te retient? Tu penses ce que tu dis? Je peux bien. Je peux, ma chère. Qu'est-ce qui te prend? Esther. Tu sais que tu exagères aussi? Des fois, tu dois t'apaiser un peu. Ah bah, qui exagère? Tu étais là et tu as tout vu. Et alors? Ne la prends pas attention. Tu racontes tout cela comme si, à ta place, tu ne réagirais pas de la sorte. Esther, je te comprends. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Essaye de te calmer. Tu es malade? Que peux-tu dire? Si ce ne sont que de bêtises. Rien du tout. Mais quoi? Mais quoi? Je devais croiser les bras pendant qu'elle m'insulte? Tais-toi et ferme-moi cette bouche. Vous êtes des chanteuses et des choristes à l'église. N'es-tu pas choriste? C'est une honte. Vous m'avez déçu. J'étais vraiment choqué lorsque j'ai appris que vous vous êtes toutes deux battues. La réputation de ces ministères ne vous intéresse-t-elle pas? Répondez. Bishop, Esther se comporte très mal avec moi ces derniers temps. Et surtout quand on est devant les autres filles. Et ça ne me plaît pas. Tais-toi. Mais vous avez accordé à Wiki de dire tout ce qu'elle avait dans le cœur. J'ai dit tais-toi. Pourquoi ne voulez-vous pas que je m'exprime? Tais-toi. Connais-tu son niveau spirituel? Réalises-tu qu'elle est ton chef? Et j'ai plusieurs raisons pour lesquelles
Je l'ai choisie. Et tu ne veux pas la respecter? Sais-tu ce que cela peut te causer? Le sais-tu? Maintenant, écoutez-moi. Si cet incident se produisait à nouveau, vous serez désolé. Maintenant, vous devez sortir de mon bureau. Vous voulez détruire mon spectacle? Je suis vraiment désolé, madame. J'aurais dû vous appeler pour vous informer de l'annulation de la rencontre. Mon légal a été kidnappé. Oh, j'en suis vraiment désolée. Merci beaucoup. C'est pas grave. Mais votre venue ne sera pas en vain. Okay. Peut-être qu'on pourra invoquer Dieu à deux. Il va nous répondre. Ici au bureau? Oh oui, ça ne dérange pas. Ok. C'était tellement bon. J'espère que tu as aimé la façon dont on a prié. Oh. Donc c'est de cette façon que ton mari se réjouit toutes les nuits. Tu sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un tel plaisir. Oh mon Dieu. T'inquiète, ok? On a encore beaucoup de séances de prière devant nous. Je te promets, ton mari ne saura rien. Et je suis sûr que notre Père Céleste te bénira énormément. Peux-tu dire Amen? Amen. Bien. Bien. Trop bien. Tu as aimé, n'est-ce pas? Bishop, honnêtement, je ne sais quoi faire. Je fais complètement de mon mieux. Je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour gérer tout le membre de l'église. Je fais tout ce qui était à mon pouvoir. J'ai évangélisé, je fais tout ce que vous m'avez demandé de faire, mais malgré cela, mon ministère ne va pas toujours de l'avant. Vous savez quoi, le pire dans tout ça, J.O. est maintenant là et il espère avoir son pourcentage de 15 à 20% par culte. Au moment où je vous parle, je ne peux pas lui garantir une telle somme. Alors s'il vous plaît, Bishop, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les secrets? S'il vous plaît. Pasteur Isaac, révérend. Bishop. Tu veux connaître mon secret? Oui, Bishop. Dis-moi, s'il te plaît. Tu veux connaître mon secret? Oui. Es-tu vraiment sûr que tu seras en mesure de le faire? Es-tu prêt? Bishop, je suis prêt. Je veux dire, il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Tout ce que vous voudrez que je fasse, aussi longtemps que j'aurai les pouvoirs comme les vôtres, pour opérer les miracles. Hey, je suis prêt. D'accord. Pas de problème. Ok? Ok. Toi et moi aurons nos secrets à nous deux. Du genre des accords. Ok. Ok? Bishop. Je suis prêt. Tout ce que tu demanderas, je le ferai. Peu importe l'accord, je vais accepter.
C'est bon, allons-y. Bishop, comment s'est portée l'église à mon absence? Oh, remercions Dieu pour tout. L'église s'est très bien portée à votre absence. Honnêtement, j'apprécie. Certes, je vous ai aussi appelé pour connaître la situation financière de l'église durant mon absence. Légal, je suis surpris que vous continuiez toujours à parler de la situation financière de l'église. Savez-vous combien on a dépensé pour vous libérer? Petite rectification. L'église n'a dépensé aucun sou pour ma libération. Je n'ai utilisé que l'argent de mon compte personnel. Sauf votre respect légal, vous feriez mieux de vérifier vos relevés bancaires. Nous avons dépensé, je dirais, plus ou moins 60% de l'argent de l'église, rien que pour vous libérer. Information que mon financier ne m'a pas donnée. S'il vous plaît, mon légal, vérifiez vos relevés bancaires. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr, Bishop? Êtes-vous sûr? Parce que vous savez que je vous connais. Vous le savez. Croyez-vous que je ne veux pas vérifier? Ok. Alors, comment ça a été? C'était bien. Seulement ça. Et quoi d'autre veux-tu que je dise? Je dis que c'était bien. Merci beaucoup pour ta générosité. Je crois que ça me suffit. Tu sais quoi? Laisse-moi te donner mon numéro. Parce que je ne voudrais pas que tout le jour tu passes par Wiki avant de m'atteindre. Elle ne fait que me rouler depuis tout ce temps. Je crois qu'elle ne voudra pas me laisser l'accès libre avec un homme généreux comme toi. Wiki ne va pas aimer. De quoi je me mêle? Oh, c'est bon. Et toi? Viens, j'ai à te parler. Et pourquoi tu rudes le front? J'ai pas le temps pour ça, allons-y. De pêche. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me tires comme ça? Arrête! Oh. Que penses-tu faire, ma chère? Me piquer mon nom? Écoute, chère copine. Le fait que nous soyons copines ne te donne pas le droit de toucher à ce qui m'appartient, ok? Ah ah! Mais qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Je ne fais que lui rendre un service et rien d'autre. Hein? Tu n'as pas à faire tout cela? Tu n'as qu'à entrer là-bas, faire ton travail, te faire payer et me donner ma part. Tu te fâches vraiment beaucoup, c'est comme s'il était ton mari. Ma part est que ça saute. C'est ce que tu devais dire. Tout de suite. Au lieu de crier. Prends. Je te fais pas confiance, laisse-moi vérifier. Ah! L'incomparable! C'est la chose que tu es censé faire, hein? Prochainement, ne m'énerve pas jusqu'à ce point. Et la prochaine fois, ne te fasse surtout pas quand c'est pas nécessaire. Ok. Attends. Est-ce qu'il a passé la nuit avec toi? Et en quoi ça te regarde? Pardon, laisse-moi tranquille, je t'en prie. Quel jeu essaies-tu de jouer? Que veux-tu dire? Tu peux me prendre tous mes clients, mais jamais, mais au grand jamais le reverend, parce qu'il est propre à moi. Dis-moi, pourquoi tu es à l'église? Désolée,
C'est parce que tu m'as connecté avec lui que je dois toujours avoir ton aval avant de faire quoi que ce soit. C'est ça? Et tu n'étais pas censée te mettre à la première place. T'es pas sérieuse? Tant que je n'ai plus le droit de m'asseoir à l'église à l'endroit où bon me semble, sérieux? Toi et moi savons très bien que tu as une église. Alors, écoute Cédé, laisse-moi te dire ce que tu ne connais pas. J'ai été dans ce petit jeu depuis très longtemps avant que tu ne surgisses. Donc, je n'ai pas besoin de demander ta permission avant d'aller voir mon homme. J'ai choisi quand et où les rencontrer. Et il n'y a rien que toi ou quiconque ne peut faire à propos. Vraiment? Oui. Alors on verra ce qu'on va voir. Bêtise. Madame, comment ça va? Oh bien, ah, wow! Votre maison est très belle et elle est grande. Oui, je suis salon dans cette maison. Oh vraiment? Oui. Et combien de chambres à coucher? 24. 24? 24. Mais c'est beaucoup. Oui. Wow, elle est grande. Vous êtes le bienvenu. Votre femme n'a pas l'air en forme. Ouais, c'est vrai, elle doit être vraiment stressée à cause de la mort de son père. Oh, je vois. Ouais. Ok, c'est bon. Je pense qu'il serait mieux qu'on fasse une prière pour elle. Oui, d'accord. On verra ce que ça va donner. D'accord. Ne t'inquiète pas. Les plus distingués, pouvez-vous m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Casey! Casey! Bon, moi-même je vais. Regarde, écoute-moi, ok? L'hôtel ex-gone. Ok? Le jeudi à 23h, n'oublie pas. Ok? Ok. Oui. Oh, Père Céleste. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, Père, je remets ta fille entre tes saintes mains. Et une fois qu'elle aura bu de cette eau, qu'elle retrouve sa forme, qu'elle trouve à nouveau le goût de vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Trop bien, ma chère. Prends, bois. Oui, vas-y, bois. Trop bien. Bishop, merci beaucoup. Bishop, encore une fois, vous êtes le bienvenu. Merci. Je suis surpris de vous voir ici sans ma fille. Oh, votre fille, elle passe de très bons moments là-bas. D'ailleurs, je ne ferai que 2 jours. Ok, pourquoi ne pas rester avec nous? Nous allons bien nous occuper de vous ici. J'aurais bien voulu le faire, mais voyez-vous, j'ai besoin de la concentration. Même à la prochaine occasion, ça ira. Ok. Trop bien. Alors madame, s'il te plaît, rétablis-toi vite. Ok? Tu ne dois pas faire souffrir ton mari. Merci. Merci. D'accord, je prends congé de vous. Merci, Bishop. Chérie, j'ai un rendez-vous important maintenant. Tout de suite. Oui. C'est bon.
Chérie, prends bien soin de toi. Rassure-toi de bien prendre soin de toi. Je ferai. Je rentre bientôt. Oui. Ok. Chérie, tu es sûre de ne rien oublier? Oh, ma veste. C'est dans la chambre. J'étais la porte. Ah, merci. Chérie, chérie, ton téléphone. Ah, c'est les bishops. Quoi? C'est quoi ça? Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Non, 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 non. Ça ne peut pas être possible. Ce n'est pas vrai. Bishop? Bishop? Il a une relation amoureuse avec ma femme? Oh, c'est vraiment... Donc, c'est un faux Bishop. Oh, mon Dieu. Pamela! Pamela! Chérie, j'arrive. Mais pourquoi tu cries? Voilà. Prends ce téléphone. Prends ce téléphone, Ellie. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, toi, tu as une liaison avec les bishops, c'est ça? Ah. Oh, donc c'est un faux bishop. Oui. Et il prétend être un homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Désolé. Et toi, tu le savais? Désolé, chérie, désolé. Pardon, je t'en prie, pardonne-moi. Et même désolé. Toi, tu as décidé de me trahir. Désolé. Ok, attends-moi ici. Pardon, je vais te montrer comment cela marche. Pardon. Ok? Ne me touche pas. Pardon, je t'en prie. Help. God help. Maka n'ekwense irina n'ukotu. Mata yivuru baiburu wiga na tatu. Où est-il? Où est ce fils de pute? Où est-il? Où est ce criminel? Criminel qui prétend être un homme de Dieu. Où est-il? Je l'aurai. Maintenant, allez à l'intérieur. Oui, monsieur. Inspecteur, allez à l'intérieur. Arrêtez-les et ramenez ma fille. S'il vous plaît, allez-y. On y va. Viens ici. Hey. Viens ici, ne fuis pas. Je vais t'exploser la tête. Viens ici. Amène-le ici. Vite, vite. Hé, hey, bouge. Fais vite. Viens là. Assieds-toi. Ouais. Où est ton maître? Hein? Où est ton patron? Il n'est pas là. Menteur. Menteur. C'est ce qu'il t'a demandé de me dire. Maintenant, allez à l'intérieur. Arrêtez-les. Arrêtez-les et ramenez-moi ma fille. D'accord, monsieur. Toi, surveille-le. Toi, viens avec moi. Oui, monsieur. Tu es un fou. Tu es un fou. Et il ose s'appeler un homme de Dieu. Messieurs, laissez-moi la vie sauve.
C'est le bishop que vous cherchez. Tu dois être complice. Tais-toi, tais-toi. Laisse-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Papa, dis-leur de me laisser tranquille. Je ne veux pas partir. Je préfère la ferme. Et toi, idiot. Où est ton maître? Où est ton maître? Tais-toi, idiot. Monsieur, nous avons fouillé partout à l'intérieur. Nous n'avons vu personne. C'est seulement la fille qu'on a vue. Ah. Il va les payer. Je le ferai payer. Il payera pour ça. Il regrettera d'avoir connu quelqu'un comme moi. Je vais sceller son église. Maintenant, allons-y. Allons-y, allons-y. Et toi, attends. Tu verras, ma fille. Allons-y. Entre dans la voiture. Tu as de la chance. Allez, à terre. À terre, j'ai dit. Dépêche-toi. À terre. Je t'enverrai en enfer. Bâtard. À terre. Idiot. Est-ce que tu sais que ce monsieur, c'est un faux bishop? Il verra. Je lui montrerai qu'un sénateur dans cette nation a les pouvoirs. Quiconque connaît son supérieur. So many things they happen, oh. Ew. God help, oh. Chukuneranyaka, oh. Makane kwense irina no kotu, oh. Mwata yi vurubai burubiga na tochi, oh. Mais où est passé mon mari à cette heure de la nuit? Mais où est-il? Chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? À mon retour, j'ai appris qu'Annie était partie avec un homme qui était venu te créer d'ennui. Et qui te l'a dit? Un de tes gardes. Au fait, son père était venu avec quelques policiers pour la reprendre. Des policiers? Mais pourquoi est-il venu avec eux? Peux-tu m'apporter ma Bible, s'il te plaît? Ok. Monsieur. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Quoi? Mais pourquoi avez-vous décidé de quitter la salle en colère au moment où la réunion n'est pas encore terminée? Est-ce qu'il y a encore autre chose à discuter? Ne savez-vous pas qu'en tant que propriétaire de l'église, et nous en tant qu'anciens de l'église, devrions-nous s'asseoir autour d'une table et discuter sur les décisions prises par les bishops?
Diacre Samson, le bishop a été dans ses propos très clairs. Qu'il peut seul s'occuper des affaires de ses ministères, ne sachant même pas les sacrifices que j'ai eu à faire pour l'établissement de ses ministères. Si tu veux le savoir, seule l'année passée, j'ai dépensé plus de 20 millions de naira dans ces ministères. S'il faut ne pas faire allusion à ce que j'ai dépensé l'année avant et les autres années. Mais le bishop dit qu'il peut maintenant s'occuper des affaires de ses ministères. Laissons-le faire. C'est exactement ça mon point de vue. Vous, en tant que financier de ces ministères, vous ne devriez pas être d'accord avec toutes les propositions faites par les bishops, car cela n'est pas en règle avec le statut de l'Église. Au lieu de quitter la salle en colère, c'est ça mon point de vue. C'est bon, Diacre Samson. J'ai entendu. Nous en parlerons à la fois prochaine. Peut-être la semaine prochaine. Maintenant, je dois rentrer à la maison. Me reposer. Ok? Dieu te bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Bishop, je sais que tu es étonné de me voir. Mais je suis simplement venu vous parler du progrès de mon côté. Écoute-moi, Isaac. Je ne suis pas content de toi. Je ne suis pas content de toi. Hey. Parce que j'ai comme l'impression que tu veux mordre le doigt qui te nourrit. Je suis celui qui t'avait recommandé auprès du représentant légal pour ce travail. Donc c'est moi qui t'ai amené dans ce ministère. Lorsque tu avais besoin de pouvoir, tu étais venu me voir et je te l'avais donné. Pour opérer les miracles dans un grand ministère comme le nôtre. Et on avait eu un accord. Mais tu as préféré briser l'accord en me privant mon propre pourcentage. Maintenant j'apprends que tu te promènes partout dans la cité avec des belles voitures. Bishop, pardonne-moi. J'étais simplement venu te faire part du progrès de mon ministère et de te dire merci de m'avoir montré les chemins. Si tu veux montrer de l'appréciation ou remercier quelqu'un qui t'a aidé, la meilleure façon de le faire est de respecter à la lettre l'accord que vous avez eu avec cette personne. J'ai besoin de mon 30%. C'était ça notre accord. Je veux mon 30%. Tu sais comment faire pour l'envoyer dans mon compte bancaire? C'est d'accord. Laisse-moi d'abord régler les problèmes de Gio. Et après, je vais régler ton compte. Tu sais comment ça s'est fait? Je ne veux plus te rappeler ce que tu es censé faire. Tu sais ce qui est juste. Et tu le feras. Ne te dérange pas, Bishop. Je suis très heureux de ce que tu as fait pour moi. Ne t'en fais pas. Je vais régler les problèmes. Bishop! Bishop! S'il te plaît, nous devons causer. Oui. Vas-y, je t'écoute. Ok, je vais être brève. C'est comment? Je t'appellerai, ok? Ok. Mais pourquoi tu me suis partout? Pourquoi ne pas t'embarrasser? Pourquoi t'es allé voir l'homme que je t'ai présenté à mon insu? C'est parce que tu as couché avec lui et je n'ai rien dit, hein? Et en quoi ça te concerne, dis-moi? Ça me concerne parce qu'il ne t'aime pas. Je souhaiterais mille fois qu'il me le dise en face et pas toi. Oh, au cas où tu l'aurais oublié, j'avais pris quelques photos de vous deux ensemble. Ouais. Tu sais quoi? J'avais cru que tu étais venu pour un truc très important. Je ne savais pas que c'était pour des baratins. S'il te plaît, si ça ne te dérange pas, trouve-toi un truc à faire. Désolée, je suis occupée. Attends. Oh, vraiment? Tout ce que je te dis n'est pas important, je ne te blâme pas. N'importe quoi, on verra. Mon nom est Mademoiselle Chérie Okechukwu.
Je vis à Abuja. Je suis l'unique fille de parents très très riches. Des hommes bénis. Je héritais de mes défunts parents plus de 500 millions naira. Oui. Bishop, je... Presque tout. Mais... Je ne suis pas heureuse. C'est bon, arrête de pleurer, ok? C'est bon. Pourquoi, si je peux demander? Je suis graduée il y a de cela 10 ans. Et depuis lors, je n'ai jamais eu une proposition de mariage. Tout celui qui vient vers moi profite de mon argent. Bishop, toutes mes amies sont déjà mariées et ont beaucoup d'enfants maintenant. Je ne suis plus une jeune fille. Pas du tout. Bishop, je veux un homme. Je veux un homme qui sera à moi seul. Je veux un homme que je peux appeler mon mari. Un homme qui m'aimera pour de vrai, pas pour mon argent. Pardon. Je sais que si tu m'imposes la main et tu pries pour moi, Dieu fera ce que mon cœur désire. Je sais. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Et laisse-moi demander encore. Il y a beaucoup d'églises ici à Abuja. Pourquoi as-tu choisi de venir ici? Bishop, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Tout le monde parle de toi, Bishop. Grande puissance. Combien est-ce que Dieu t'utilise pour t'occuper de personnes désespérées comme nous? J'ai vu des choses que ton Dieu a fait dans la vie de Jean. Et je sais pourquoi mon esprit m'amène ici. Je sais pourquoi j'ai choisi ton chemin. Ouais. Je ne peux plus reculer. Je crois. Et je le sais. Je le sens en moi. Je le sens. Je le sais. J'apprécie ta foi. Merci, révérend. La Bible dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Amen. J'apprécie beaucoup ta foi. Oh Dieu. Et laisse-moi te dire qu'avec ta foi, t'as frappé à la bonne porte. Amen, Bishop, je le déclare. Je le déclare. Amen, Bishop, je le déclare, Bishop. Je le déclare. Je sais que je suis une femme de foi. Je sais que je frappe à la bonne porte, Bishop. Amen. Merci, Seigneur. Et combien de temps vas-tu faire ici? Oh, Bishop, je ne suis pas pressée. Pas du tout. En fait, je ne suis pas du tout pressée. Je peux faire du business presque partout. Oui, oui. Cela nous donnera assez de temps pour prier ensemble. Merci, Seigneur. Merci. Un mari sont finis. Crois-moi. Oui, qui? Je prie aussi. Le bishop est vraiment un homme très, très bon. Il m'avait donné beaucoup d'attention et j'en suis très ravie. Sérieux. Thierry, alors à propos du 400 000 que je t'avais demandé? Oh, je suis sincèrement navrée. J'avais complètement oublié. Attends, mon téléphone. Oh, le voilà. Ok, c'est bon. Donne-moi rien que le numéro. Comme ça, je ferai un transfert. Ok. 004 20 20291.
à la banque de GTB. Ok, c'est bon. God help you. Ces derniers temps, mon programme est tellement chargé. Ah oui, et j'ai besoin d'une bonne compagnie, une très bonne. Comme la mienne. Oh oui, comme la tienne. Ouais. Tu es la meilleure. Ah oui. Oui, tu sais, avec toi j'oublie tous les chagrins. Tu me fais oublier tous les soucis. Tu es la meilleure. Je suis vraiment désolée, bébé. Je suis désolée. Qui est-ce? Kuba. Oh. Je mets le haut-parleur. Oui, allô? Pétasse. Tu te crois plus intelligente que moi? Tu lui as présenté une autre fille dans le but d'éloigner le bishop de moi? Ok. Je vais t'exposer. Je vais vous exposer tous les deux. J'y raconterai au monde au sujet de toutes les partouzes que vous avez l'habitude d'organiser. Et de la façon dont tu sélectionnes les jeunes filles pour les présenter au bishop. Je vais vraiment m'assurer de vous exposer. Tu blagues avec moi? C'est ce qu'on va voir. T'inquiète. Ah. Bishop. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Si seulement je savais que cette fille allait finir par nous trahir un jour. Oh, pourquoi? Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas grave. Je lui donnerai une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Bishop, j'ai une surprise pour toi. Surprise? Mm-hmm. Waouh, j'aime les surprises. Pour toi et pour l'église. Fais-moi voir. Ok. Un. Quelque part, tous les deux, pour essayer un peu de passer le temps. Je ne crois pas que ce sera une bonne idée maintenant parce que... Je suis sur le point de sortir avec une... Oh, voyons. D'ailleurs, ça va être vraiment splendide. Pourquoi ne pas inviter aussi ton ami? Comme ça, nous irons quelque part. Hmm? Oh, voyons. Tu ne veux pas sortir avec moi, c'est ça? Pourquoi pas? Alors, va chercher ton ami. Ok, je reviens. D'accord. Les filles, vous pouvez prendre du vin, ok? Ok, c'est bon. Ah, c'est bien. Prends. Ah, merci. Merci. Alors, portons un toast. Ouais, ouais. Oh, c'est bien.
C'est vraiment très bien. Maintenant, passe-moi ton verre. Approche. Zurutu Maharaja. Zurutu Maharaja. Zurutu Maharaja. Chérie, chérie, j'ai besoin de toi. Je t'ordonne d'apparaître ici dans l'immédiat. Je t'ordonne, chérie, d'apparaître devant moi. Apparais. Chérie, chérie, je t'ordonne, j'ordonne à ton esprit d'apparaître ici au nom de Zurutu Mararacha. Apparais devant moi maintenant. Sois la bienvenue, chérie, ma servante bien-aimée. Je possède maintenant ton esprit, ton âme et ton corps m'appartiennent. Et tu dois répandre ma bonne nouvelle partout dans le monde. Oh oui, et tu dois satisfaire tous mes besoins. Tu seras mon objet pour toujours. Et quoi que je dise, tu le feras comme tel. Suis-je assez clair? Oui. Oui, mon maître. Ah, la vie est trop belle. Oh, viens. Viens. Viens, viens, viens. Ah. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Je serai avec toi aussitôt possible. Merci beaucoup, grand maître Zurutu Maharaja.
Mais non, c'est quoi ça? Ce n'est pas possible. Oh non! Tais-toi! Tu cherches quoi? Jerry, tu me fais mal. Que cherches-tu? Jésus-Christ! Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Tu es en train de me faire du mal. Tais-toi! Tu dois mourir. Ok? Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Mère. Alors, mon peuple. Quand il agit comme Dieu. Certes, nous avons la consolation à partir de ses propres paroles. Et il nous rassure d'une vie après la mort. Quand il est en train de dire « Je suis la résurrection et je suis la vie. » Oui. Et aussi, c'est juste une transition entre cette vie et celle de l'au-delà. Et cela étant pour nous, c'est une transition vers la gloire. Je crois fermement dans mon cœur qu'elle est en paix là où elle est. De la part de l'Église tout entière, de moi-même et de ma famille, je veux t'exprimer nos sincères compassions pour cette perte inopinée. Que le Seigneur te couvre de sa grâce, te fortifie, qu'il te soutienne. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Je sais que c'est et ça n'a pas été facile pour toi. Mais lève-toi, fortifie-toi, sois un homme. Le Seigneur ne va pas t'abandonner pendant ce moment. Prends courage, qu'il te bénisse. Pour être franc, j'étais un peu, tu vois, surpris quand je t'avais vu lors des funérailles de ma femme. Bishop, je devais t'assister. Tu as été très bon envers moi, ainsi que l'église. Oh, mon légal. Oh, évêque, je ne voulais pas vous déranger, excusez-moi. Oh, non, 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 ne vous gênez pas, venez, venez. Bon, venez, d'accord. Venez, s'il vous plaît, mon légal. Elle, c'est mademoiselle Chérie Ugechukwu. C'est l'un des nouveaux membres de l'église. Chérie, c'est le représentant légal. C'est le représentant légal de l'église. L'église lui appartient. Il est là. Oh, enchanté, monsieur. Sois béni, merci. Très content de te voir. Oui, c'est bien. S'il vous plaît, légal, je pense la chose que vous êtes venu me dire n'est pas vraiment urgente. Non, 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 ce n'est pas aussi grave que ça, non. Peut-être que, peut-être, il serait sage que je revienne après. Je suis toujours là, je suis dans les alentours de l'église. Je repasserai. Ok? Au revoir, je te bénis. Merci. Bon, okay, évêque, alors. À tout à l'heure. C'est bon. Il est gentil. Waouh, il a l'air d'aimer les affaires. Oui, tu as raison. En plus d'être le représentant légal, il aime les affaires, il vit seul, sa famille est à l'étranger, il est là en train de faire de l'argent. Waouh, je présume qu'il finance bien l'église. Oui, mais ouh, pas okay. Vraiment, puisqu'on a toujours besoin des petites contributions de membres de l'église. Avec vos contributions, vous les membres de l'église, nous réalisons beaucoup de choses. C'est juste pour te dire qu'une seule personne ne saura pas financer toute l'église. Bishop, oui, oui. C'est un effort collectif. Mon soutien. Je te soutiendrai. C'est je ça. Soutiendrai l'église et je donnerai tout ce que je oh peux. Oh oui, je suis content de t'avoir comme membre de mon église. Merci infiniment. Ne vas-tu pas me demander de m'asseoir? Te demander de t'asseoir? Ah oui. Que fais-tu ici? Bien. Disons juste que je suis venu me rendre utile maintenant que ta femme n'est plus. T'ai-je par hasard demandé un service? Hein?
Toute femme qui aime son mec doit être à côté de son mec dans des moments pareils. Et toi, écoute-moi, jeune fille. Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, sors de chez moi maintenant. Sors de ma maison. Laisse-moi te rappeler. Toi et moi, nous venons de loin. Très longtemps avant même que tu ne rencontres ta femme Evelyne. Et maintenant qu'elle n'est plus, cela me donne la chance de perfectionner et de partager ce que toi et moi connaissons. Et c'est quoi? Suis-je obligée de le dire? De toute façon, maintenant que ta femme n'est plus, je pense qu'il est grand temps que je vienne avec mes bagages. Et faire quoi? Maintenant que Dieu a répondu à ma prière, je crois qu'il est grand temps que je vienne cohabiter ici avec toi. Oh, donc, Wiki, dis-moi, tu comptes vraiment venir t'installer ici chez moi? Allez, sors de chez moi. Hein? Sors de chez moi maintenant! J'irai nulle part. Wiki, sors d'ici avant que j'appelle mes hommes. Je suis venu rester ici. Dégage! Oh, chérie. Hein? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis ta future épouse. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi parles-tu à ma femme de la sorte? Es-tu folle? T'as perdu la tête? Sors d'ici vite maintenant! Ton bishop! Tu veux m'utiliser et me rejeter? Pourquoi? Wiki! Sors d'ici vite! Ça n'arrivera pas! Tout ça c'est parce qu'elle est claire! Blanche! Non, ça n'arrivera pas! C'est à ma nouvelle femme que tu parles! On va se marier bientôt! Ok? Elle sort d'ici! J'irai nulle part, c'est ma maison ici! Tu vas m'épouser aujourd'hui! Tu peux pas m'utiliser comme ça et te débarrasser de moi! Tu vas m'épouser! Et toi, sors d'ici! Sors d'ici! Allô? Oui, allô, Shora! De toute façon, je reviendrai pour toi! Je reviendrai pour toi! Je m'apprendrai à toi! Shora! Je t'apprendrai, tu feras! Où êtes-vous? Chérie, je suis vraiment désolé. C'est bon. Ça va aller. C'est bon. Bishop. Au fait, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose que je ne devrais pas dire? De quoi parles-tu? Je t'ai entendu dire que tu feras de moi ta femme. Oh, ça? Oui. Oui. Je veux t'épouser. Jamais. Tu ne peux pas épouser le bishop. Le bishop est à moi. Il était à moi bien avant que tu ne viennes. Wiki. Wiki, tu sais combien je rêvais avoir un homme. Et le bishop, ce ne serait pas mon bishop. Va chercher ton mari quelque part d'autre. Le bishop ne va épouser personne d'autre que moi. Désolé. Personne, même pas toi, empêchera mon mariage avec le bishop. Oh, chérie. Donc, quand tu es venue chez moi pour trouver un homme de Dieu qui peut prier pour toi afin de trouver un mari, et ton plan était de ravir à une autre personne son mari? Enfin, mon propre mari? Et en quoi le bishop est ton homme? Dis-moi en quoi?
Tu as entendu le bishop dire que Chéri est ma nouvelle femme. Alors? Oh, oh Chéri, écoute, arrête de rêver. Écoute, même pas ton argent ne peut me ravir le bishop. Je ne peux pas permettre que toi ou une autre fille me ravisse le bishop. Le bishop est à moi et je préfère mourir que te voir à ses côtés. N'importe quoi. La porte après toi. Allô, ma chère. Comment ça va? Oh. Mais je crois t'avoir dit qu'elle est folle. Elle est folle. Vraiment? Tu sais quoi? Ne la prends pas au sérieux, ok? Te dérange pas pour elle. Oh! Elle a dit pas tant qu'elle est en vie. C'est ce qu'elle a dit? Je vois. Juste laisse-la à moi. Je vais m'occuper d'elle. Je vais m'occuper d'elle. C'est bon. Bye bye. C'est ce que tu as dit. Pas tant que tu es en vie. On verra alors. Sont-ce là les voitures du bishop? Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, quand il venait aujourd'hui, il y avait trois voitures que ses gardes conduisaient derrière lui. Aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces voitures? C'est bien ce qui avait attiré mon attention. Et je voulais également que cela puisse attirer votre attention. Bon, de toutes les façons, Diacre Samson, ce n'est pas mon problème. Aussi longtemps qu'il me donnera ce qui me revient de droit, mon pourcentage comme propriétaire de cette église, il peut s'acheter toutes les voitures du monde. Pourquoi? Pourquoi cela me concernerait-il? C'est son argent. Mais si vous me demandez, je crois que nous devons regarder les activités du bishop avec beaucoup d'attention. Parce que la manière dont les choses évoluent, je veux dire, je ne sais pas quel sera l'avenir de cette église. Diacre Samson, je bâtis cette église comme l'un de mes investissements. Et aussi longtemps que l'évêque me donne les 70%, comme ce qui me revient par rapport à ma place à l'église, il peut s'acheter des voitures comme il veut. Quel qu'en serait le nombre, cela n'est pas mon problème. Eh ben, qu'il s'achète de voitures comme il veut, c'est la vie. Eh ben, il peut remplir même ses parkings, ça ne me dérange pas. Mes très chers leaders,
J'ai convoqué cette réunion importante. J'aimerais commencer d'abord par m'excuser pour vous avoir caché cette information. Vous savez, si je vous ai tous appelé, c'est pour vous présenter formellement ma nouvelle femme. Elle est là, vous pouvez la voir. Elle s'appelle Chérie Ugechukwu. Et je dois aussi vous dire que nous allons nous marier d'ici là, dans exactement 2 semaines. Monseigneur Bishop, c'est une très bonne nouvelle qui mérite une célébration. Mais, pensez-vous que c'est approprié de le faire maintenant? Je ne comprends pas. Le moment n'est pas approprié ou quoi? Je veux dire, n'est-ce pas évident que... veux m'excuser, s'il vous plaît. Attendez. Monseigneur, vous ne devriez pas prendre une telle décision. Vous venez à peine d'enterrer votre femme. Suivant le principe établi à l'église, il vous faut un peu de temps. Vous devez vous reposer suffisamment. Vous prendrez une autre femme après. Bien, mes leaders, vous devriez m'excuser. Ce que je viens de vous dire, c'est exactement la raison pour laquelle j'avais convoqué cette réunion. Si vous n'avez plus rien à dire, ok, vous pouvez partir. Partez. Monseigneur, es-tu sûr qu'il veut m'apprécier? Ne t'inquiète pas, ok? Alors, qui est cet homme? Oh, ils vont t'apprécier. Ne t'inquiète pas, ça ira. Attendez un peu, attendez, hein? Pouvez-vous imaginer ceci, hein? Le vieux Bertrand vient à peine d'entrer sa femme, et à peine il veut se marier, hein? Hein? Et la première fois que je le vis avec cette femme, il l'a introduite comme... une de nouveaux membres de l'église. Je crois qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ceci. Mes amis, Bishop Bertrand a exagéré cette fois-ci. Il est temps que nous les ramenions à la raison. En tant qu'anciens et diacres de cette église, nous ne pouvons pas rester bras croisés et laisser les bishops détruire cette église. Oui. Ce n'est pas bien. Nous devons les regarder en face et lui dire des vérités. Oui. Il a tort cette fois-ci. Et nous devons insister qu'il a tort. Bishop Bertrand s'est déjà engagé dans ces mariages. Pourquoi ne pas permettre ces mariages? Ekene, permettre quoi, Georges? Permettre quoi? Hein? Nous ne pouvons pas laisser l'évêque se méconduire. Comme un diacre et comme un leader dans l'église, Dieu ne me pardonnera pas si je ne dis pas à l'évêque que ce qu'il est en train de faire est très mal. Mon frère, je suis de ton côté. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous devons aller dans sa maison. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Aller dans sa maison et le regarder en face. Et lui dire la vérité que ce qu'il est en train de faire est mal. Mais écoutez-moi, désolé les amis, je n'irai pas avec vous. Je ne soutiens pas votre idée. Mais comment peux-tu dire ça? Ok, quand vous insistez, si on arrivait là-bas, c'est vous qui allez parler. C'est bon? Ne vous en faites pas. Lorsqu'on sera dans sa maison, c'est moi qui parlera. Les amis, à demain. D'accord. On doit y être. Trop bien. Sois la bienvenue chez moi. Ça, c'est ma maison. Voilà. C'est elle? Waouh! Elle est très belle!
Elle te manque, c'est ça, non? Oui, c'est vrai. Désolée. Navré. Elle me manque beaucoup. Ah, je sais. Ça va aller. Ok? Je suis désolé. Mais je dois t'enlever. C'est bon. Suis-moi. Je vais te faire visiter la maison. Suis-moi. D'accord. Elder Samson? Oui, monseigneur Bishop. On m'a appris que tu aurais organisé une réunion avec d'autres elders de l'église. Et vous parliez du fait que j'ai commis une erreur en voulant épouser Chéri. Qu'est-ce que cela veut dire? Monseigneur Bishop, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. C'est l'œuvre de mes ennemis. Oh. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais assisté à une réunion quelconque contre toi. Mais comment, monsieur? Regarde-toi, écoute-moi. Tout celui qui aurait fait ça. Ok, il creuse sa propre tombe. Suis-je clair? Et c'est de cette façon que tu comptes un jour devenir mon bras droit? Je te l'avais promis, moi. Mais regarde ce que tu fais. Écoute-moi, personne, j'ai dit bien personne, ne pourra m'empêcher de le faire. Vous avez raison, monsieur. Monsieur, ce n'est même pas vrai. Attendez, laissez-moi vous dire la vérité. C'est Ejiro. C'est lui qui a appelé tout le monde et organisé cette grande réunion. Il incite les gens à être contre toi. Moi, je ne pouvais pas assister à une telle réunion. Pas du tout. Hein? Je le jure devant Dieu. Je n'avais jamais assisté. Je le jure devant Dieu si je mentais. Que Dieu me tue, car je n'ai jamais assisté à une réunion pareille. Je ne peux jamais monter un plan contre toi. Je le jure devant Dieu. Hey! Mes ennemis! Hey! Bishop, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été contre toi. Et je ne peux jamais te causer du tort. Je ne peux pas faire une telle chose. Je jure devant Dieu, si je mentais, que Dieu me tue, qu'il me tue. Je ne l'ai pas fait. Zurutu Pasialo. Zurutu Pasialo. Zurutu Pasialo. Le grand maître du pouvoir des Zulutu. Contemple le grand sacrifice des sangs de mon travail que je t'ai apporté dans mon lieu secret. Je vous invoque parce que je me réconfirmerai si mon sacrifice sera acceptable et qu'en retour j'obtienne ce que je vous avais demandé. Confirme! Grand maître Zulutu, confirme! La puissance des Zulutu, confirme! Zulutu Masialo! Oh. Monseigneur évêque, je suis surpris que vous m'ayez appelé pour venir vous voir ici, à un endroit si lointain. Quel est le problème avec cet endroit? Ne voyez-vous pas que cet endroit est solitaire? Ne pouvions-nous pas nous voir à l'église? Ou soit chez vous à la maison. Edere Juro, pourquoi as-tu choisi de faire une mauvaise propagande pour moi? Monseigneur, avez-vous dit propagande?
Ejiro. Monseigneur. Tu es avec moi dans ce ministère, ça fait 6 ans. Et tu as observé ce ministère grandir avec moi. Pourquoi as-tu choisi ce moment pour aller à l'encontre de ma décision? Sauf votre respect, monseigneur. Quelle décision? Ma décision d'épouser chérie. Maintenant, écoute, écoute très bien. Quiconque qui se met sur mon chemin doit se préparer à subir ma colère. Attendez, arrêtez-vous là, monseigneur. Je ne peux me permettre d'aucune façon de m'empêcher. De m'empêcher de dire la vérité. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, il est mieux que je m'en aille. Mec, mec. Ouais, ouais. Fais-moi du feu, fais-moi du feu. Tiens, tiens. Tu fumes trop, toi. Je me reconnais plus. Le grand fumeur de tout le temps. Oh, Marc, tiens, regarde. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Les gars, il est temps. J'ai reçu le signal du Bishop. Vous savez quoi? La cible est en marche. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Faisons bien le boulot. Tiens-moi ça. Je vais un peu me soulager. Reste là, regarde. Comptez sur moi. Les gars, il est là. Bougeons. Vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Roule, 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 roule. Sors de cette voiture-là. Hein? Toi, idiot, hein? Sors de là, sors vite. Emmène-le ici. Pardon, hey, s'il vous plaît. Mais viens par ici. Tu croyais jouer le malin, maintenant on t'a eu. Idiot. Tais-toi. Toi, idiot. Pardon. Tais-toi. Malade fou. Tais-toi. Pardon. Toi. Mais qu'est-ce que je fais? Doucement, doucement. C'est quoi, c'est ça? Lève-toi. Lève-toi. Tu peux revenir chez toi, tu vas pas rentrer. Lève-toi. Lève-toi. Mes frères, je n'ai rien fait. Si c'était moi, tu aurais mordu comme un serpent. Pardon. Si tu fais exactement ce qu'on te dit, on te laissera partir. Écoute, voilà ce qu'on va faire, hein. Meurs, va au diable, va en enfer, pourriture. Eh, vite, vite, ils ne sont le boulot, ok? Allons-y.
Ouais, allons-y. Vite, 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 allons-y. Malade, idiot, va en enfer. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons prier sans cesse. Parce que c'est très clair que le diable a entamé un vrai combat contre cette église. Il y a plusieurs signes, plusieurs choses qui prouvent que nous sommes en pleine guerre. Ça a commencé avec ma femme Anita. Et ensuite Evelyne. Et maintenant, Elderi Giro. S'il vous plaît, je suis désolé à propos de ça. C'est un moment très triste pour nous tous. Mais nous ne devons pas laisser l'ennemi nous exterminer. Non, nous ne devons pas lui permettre de nous détruire tous. Nous devons tous nous engager dans la prière. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons prier. C'est pour ça que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes des guerriers. Parce que personne ne sait qui sera le prochain. On doit prier. Surutu Maharasha. 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 Allô? Que veux-tu dire? Est-ce une question ça? Non, 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 non. Où est mon pourcentage? Où est mon argent? Tu veux que quelque chose de mal puisse t'arriver? C'est ce que tu veux? Un problème avec moi? Honnêtement, Bishop, je n'apprécie pas la manière dont tu menaces ma vie. Tu menaces ma vie et je n'apprécie pas cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Isaac, écoute, je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu penses. Tout ce que je demande est mon pourcentage. Après tout, c'est mon argent. Y'a quoi? Si tu ne me donnes pas cet argent, j'en finirai avec toi. Bishop, s'il te plaît, laisse-moi te dire. Si tu continues à menacer ma vie, je te dirai de faire ce que tu veux. Fais ce qui te semble bon. Ah ah. Ok, je dois faire ce que je veux. Oui, vas-y, fais ce que tu veux. Je dois faire ce que je veux, c'est ça? Hein? Je dois faire ce que je veux. Ok, pas de problème. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Bye bye. Mais bon sang, c'est quoi cette merde? Chérie, tu vas bien? Je vais bien, t'inquiète pas. Je t'ai entendu crier au téléphone. Oh non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Les bishops pensent que je suis un fou. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Ok. Mais, Oh, tu t'es assis sur mon phone. Oh, désolé.
Bébé. J'ai une question à te poser. Oh oui, c'est quoi? Vas-y chérie, je t'écoute, vas-y. Pose-la moi. C'est... je suis désolée, mais... Je me sens dans l'obligation de te poser cette question. Je ne suis pas en train de te rappeler ton passé. Non, ne te gêne pas, dis ce que tu as à dire. Comment est-ce que tes deux femmes sont mortes? Parce que tous ces derniers temps, je fais des très mauvais rêves. Quels sont ces rêves? Il y avait deux femmes devant moi. La sombre, la brune. Elles étaient en train de m'avertir à propos de ce mariage. Elles disaient que je serais la prochaine victime. Au fait, chérie, je peux comprendre que tu as besoin de... Tu as besoin d'une délivrance. J'ai vu ces femmes et elles m'ont parlé. Je les ai vues. Elles étaient à deux. Et je... Chérie, écoute-moi. Le diable a différentes manières de mettre en confusion les enfants de Dieu. Ok? Tu as besoin d'une délivrance. D'accord? J'avais vu ces femmes. Elles étaient à deux. Je les ai vues. Elles m'ont parlé et je... Bébé, est-ce que ça va? Mais non, bébé, je t'en prie. Désolée. Je ne voulais pas parler de cela, je suis désolée. Pardon, je suis vraiment navrée, désolée. Oh mon Dieu, bébé, je suis désolée, ne me fais pas ça, pardon. Je suis désolée, je ne voulais pas te faire mal, bébé. Pardon, bébé, pardon. Je ne voulais pas te faire mal et je n'en parlerai plus jamais, je t'en supplie. Bébé, pardon. Je n'en parlerai plus jamais, je t'en prie. Mes femmes... Elles sont parties, elles m'ont laissé. Elles sont parties, elles m'ont laissé tout seul. Je suis vraiment désolée, bébé. Je suis sincèrement navrée. Je promets de ne plus jamais en parler. Je promets, bébé, je promets. Plus jamais. Pardon, pardon, bébé, je t'en supplie. Pardonne-moi mon cœur, je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'en supplie, je ne ferai plus jamais cela, je te promets. Pardonne-moi, cœur, s'il te plaît. Anything that happened, no. Bishop, je vous ai respecté dans ce ministère en tant que mon supérieur. Mais je réalise que tout ce que j'essaie de faire ici n'est pas apprécié. Comment oses-tu débarquer dans mon bureau? Et tu me pointes du doigt. Ton sale doigt. As-tu perdu la tête, Isaac? Appelle ça comme tu voudras. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas un enfant. Je mérite un peu du respect. Tu mérites du respect? Oh, tu mérites du respect. Tu as maintenant besoin du respect? Parce que nous portons le vêtement d'une même couleur. Non, dis-moi, sommes-nous des mêmes niveaux? Tu penses vraiment que nous sommes égaux? Bien sûr. Mais bien sûr. Laisse-moi te rappeler. Nous ne sommes pas des amis. Hey. Hein? Oh non, tu veux me dire que nous sommes des amis, c'est ça? Je sais ce que tu sais. Que pourrais-tu encore me dire? Dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, Bishop? Dis-moi. Ok. Pas de problème. Je sais quoi faire. Écoute, Bishop. Ne pense même pas à ça. N'ose même pas penser à ce qui nous réunit. Tous les deux, car si tu oses le faire, moi aussi en retour,
Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Mais respect, mon légal. Deux hommes de Dieu sont en train de se disputer? Oh, mais pourquoi? Monseigneur évêque. Bien, légal, je pense que vous avez tout entendu. Je vais vous dire une chose avant que je ne dise quoi que ce soit ici. Demandez à cette chose de sortir de mon bureau. Je ne sortirai pas. Hein? Je ne sortirai pas d'ici. Je dis, je ne sortirai pas. Viens toi-même me mettre à la porte. Tu penses qu'en tant que bishop, tu peux tout faire? Parce qu'on t'appelle bishop, tu dois te vanter? Alors viens me mettre à la porte. C'est bon. Monseigneur, révérend, qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont donc ces problèmes que nous ne pouvons pas résoudre? Qu'est-ce qu'il y a? Deux serviteurs de Dieu se battant l'un contre l'autre. Pourquoi laisseriez-vous le diable l'emporter sur vous deux, hommes de Dieu? Si vous vous comportez comme ça, qu'est-ce qu'il en viendra de vos ministères, vos partisans? Je vous en supplie au nom de Dieu. Quelle que soit la gravité du problème, nous pouvons toujours le résoudre. Je vous en supplie, pardon. Ne les laissons pas aller aussi loin. Monseigneur, révérend, pardon. Ne laissons pas ces problèmes s'empirer davantage. Mes frères, s'il vous plaît, ne permettez pas au diable de prendre le dessus dans ce ministère. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Monseigneur, révérend, pardon. Je veux qu'il quitte mon bureau, sur les champs. Révérend Isaac, pardon, est-ce que je peux vous voir dehors? Légal, c'est à cause de toi que je quitte ce bureau. Sinon, j'allais voir ce que tu pourrais me faire, bishop. Tu te vantes parce qu'on t'appelle bishop? Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Soi-disant bishop. Pardon. Mais dis donc, c'est quoi ça? Pardon, monseigneur, calmez-vous. Be careful what you are doing. For God is out there watching you. No man will ever escape the rewards of what he did. Be careful, God is watching you. Be careful what you are doing. For God is out there watching you. No man will ever escape words of what he do. Be careful, God is watching you. Oh my God, be careful what you do. For God is out there watching you. No man will ever escape the words of what he do. Bonjour, patron. Ouais, bonjour, patron. Ah. Ah, révérend Isaac. Prenez place, je vous en supplie. Merci. Oh, bienvenue. Ah. Oh, laissez-moi vous offrir quelque chose. Un autre verre? Oh, non, merci, ça va. Vous êtes sûr? Ouais. Laissez-moi vous offrir quelque chose. Non, merci. Très bien. J'étais en train de lire la Bible, tu sais. Ouais, qu'est-ce que nous devons toujours faire? Amen. En tant que chrétien. Amen. Voici ton chèque. Oh, c'est ce que tu as versé dans mon compte? Oui. Waouh. C'est merveilleux. Je suis impressionné. Eh ben, c'est normal, je dois faire ce qui a été convenu. Oui, à chaque fois. Vraiment? Ah, merci. Reverrons. Je ne savais pas que vous deviendrez aussi puissant. Dans si peu de temps. C'est bien. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. C'est lui qui nous donne la force. Amen. La puissance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Pasteur Isaac. Oui, mon frère. J'ai entendu cette mauvaise nouvelle. Concernant vous et l'évêque Bertrand, on m'a dit que vous deux, vous ne vous entendez pas. Pourquoi?
Gio, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Même pas avec le révérend Betram. Je ne peux pas faire ça. Il n'est pas bon que deux hommes qui proclament le même Dieu, appelés à servir à la gloire des dieux. Ce n'est pas bon que ces hommes s'entre-déchirent l'un et l'autre. La Bible parle d'eux comme des modèles. De toutes les façons, comme un myrmitoyen, j'en appellerai à la paix et à la réconciliation entre vous deux. Une forte session de prière pour que, quel que soit le problème entre toi et le vec Bertrand, ces problèmes soient résolus. J'espère que vous serez contraints. Oui, c'est vrai. Franchement, je ne peux pas être une pierre d'achoppement sur tout ce qui va apporter la paix. J'apprécierai vraiment ce geste. Merci. Ouais. Merci. Je suis vraiment content. Hein? Continuez comme ça. Oui, gloire à Dieu. Chérie, qui a-t-il? Mais qui a-t-il? Elles étaient là. Oh, chérie. Elles étaient là. Oh, mon Dieu. Elles étaient là. Elles m'ont attaqué. Oh, mais qui? Elles étaient là. Oh, écoute, chérie, personne n'était attaqué, ok? Elles étaient là. Chérie, il n'y a personne là-bas. Ce ne sont que des images que tu te fais dans la tête. C'est bon. Calme-toi. Calme-toi, ça ira, calme-toi. Oui, allô, bonsoir, légal. Je vais voyager pour l'Angleterre, juste après l'enterrement du diacre Samson. Oui, révérend. Et j'ai aussi à l'esprit de faire quelque chose pour l'intérêt et la croissance de l'Église. Et j'apprécierais si vous répondez favorablement. Et c'est quoi donc? Je suis convaincu par l'esprit d'organiser une pacifique session de prière chez moi ce samedi. Je serai très content si vous y participez. Et pourquoi donc faire tout cela? Oh, c'est un spécial appel. C'est exactement un spécial appel pour la paix et l'unité pour l'Église, pour le bien et le progrès de l'Église. En considérant toutes les tragédies qui se sont suivies ces derniers temps à l'église. Oh, trop bien, je vous comprends. Alors, pourquoi voulez-vous que ça soit chez vous et non à l'église? Vous savez, nous devons faire de supplications spéciales à notre Dieu pour réduire et mettre fin à toutes ces atroces tragédies qui se sont suivies dans l'église ces derniers temps. Je veux dire que ça va nous faire perdre... Cela nous fera perdre quelques membres. Légal. C'est bon, j'ai compris, d'accord. Je me rendrai là-bas seulement pour le respect que je vous dois. Sinon, je n'allais pas venir. Toutefois, ne vous inquiétez pas.
Je serai là. Merci, révérend. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, révérend. Chérie, ça va? Qu'y a-t-il? Viens par ici, viens. Calme-toi, je suis là, calme-toi. Ok? Oui. C'est bon, calme-toi. Calme-toi. Essaie de te calmer, hein? Viens, allons dans la chambre. Quoi? Non, 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 je ne peux plus jamais y retourner. Pardon, je ne peux plus, pardon. Mais on doit dormir, on ne peut pas dormir ici. Bébé, je préfère qu'on reste ici, je t'en prie. Mais chérie, je ne sais pas ce que tu vois, mais désolé, on ne peut pas quand même passer une nuit ici. Pardon, je t'en supplie. D'accord, d'accord, c'est bon, ne pleure pas. D'accord, d'accord. Ok. Calme-toi, c'est bon, ok? Ok. 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 Personne ne te fera du mal, hein? Ok. 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 Oh, t'es là? Oui. Je pars assister à une réunion convoquée par le légal, ok? D'accord. Alors prends bien soin de toi. Hein? Compris. Bien. Que le Seigneur soit avec toi. Alors bon, allez. Ok. Merci. C'est toi? Madame. Tu m'as effrayé. Mais d'ailleurs, c'est toi qui m'as effrayé. Que veux-tu? Madame, rien du tout. Je m'étais dit de venir vous demander ce que vous aimeriez manger, que je le fasse pour vous. Vous allez manger quoi? Vous voulez du spaghetti? Ite. Madame. Es-tu sûr que c'est vraiment tout ce qui t'amène ici? Mais madame, mais qu'est-ce qui peut bien m'amener ici? Comme le patron n'est pas encore là, c'est pourquoi je suis venu vous demander ce que vous aimeriez manger. Ite. Madame. Dis-moi ce que tu as à me dire. Je n'ai rien à vous dire. Oh. C'est faux. Je sais que tu mens. Ah, madame, non. Tu mens, et je le sais bien. Mon esprit me dit qu'il y a quelque chose qui t'amène ici. Hein? Je t'en prie. Approche et assis-toi. M'asseoir? Je t'en prie. Viens te mettre. Madame, je ne peux pas m'asseoir. Non. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas. Je sais que tu as peur. Moi également. Alors viens t'asseoir, comme ça on va traiter ces problèmes ensemble. Hein, madame? Nous deux ensemble? Je ne peux pas. Mbano. Commence d'abord par t'asseoir, je t'en supplie. Viens d'abord, assieds-toi comme ça on va parler.
Pardon, je t'en supplie. S'il te plaît. Je t'en supplie. Au fait, il y a un truc... Madame, apparemment tu as vu quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Attends, c'est bon. Ite, tu as vécu dans cette maison, 10 ans avant moi. Oui. Alors, je veux... Mon bishop, mon révérend, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous remercie pour cette merveilleuse communion spirituelle, énergisante et aussi réconciliante session de prière que nous avons eue aujourd'hui dans mon humble demeure. Je vous remercie encore pour avoir dîné avec moi. Comme un signe pour bander nos plaies et emmener la réconciliation dans la gestion de notre église. Pour arriver à la sainteté et la complétude dans les pardons, la réconciliation, l'unité, la fraternité et l'amour de Christ, lequel surpasse toutes choses. Je souhaiterais, mon bishop, mon révérend, s'il vous plaît, que vous fassiez preuve d'amour et de fraternité dans leur totalité. Je vous prie de vous lever, vous deux. Demandez-vous pardon et faites preuve d'humilité. Mon bishop, Légal, mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme vous pouvez bien le voir, nous avons montré les signes du pardon, de la paix, en nous embrassant. Et mon légal, j'aimerais vous remercier pour nous avoir offert cette occasion. Mon cœur est rempli de joie jusqu'à tel point que j'ai besoin de chanter pour mon Dieu. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour chanter cette chanson. Je ne veux que vivre près de toi, Seigneur. Pasteur, vous ne paraissez pas en forme. Je crois que tout va bien. Je crois. Aide-moi. Je reviens. Ok. Alléluia. Alléluia. Thank you.
Que fais-tu dans mon salon? Avec ma femme? Madame m'avait appelé, elle avait dit qu'elle avait peur. Elle disait que je lui dise quelque chose. Elle m'avait dit que je lui dise. Que je lui dise. Oh. Elle t'a appelé ici parce qu'elle a peur. Pour que tu lui tiennes compagnie, c'est ça? Elle avait dit qu'elle avait peur. Que je reste ici. Donc, elle t'a appelé pour que tu lui tiennes compagnie. Elle a peur. Dans mon propre salon? Toi! Toi! Arrête-toi! Tourne-toi! Chérie, qu'est-ce que tu étais allé faire dans ma chambre? Oh bien, dans mon temple. Tu sais maintenant que toi et moi sommes unis. Nous sommes unis comme mari et femme. Et on restera ensemble pour toujours. Pasteur Isaac, pourquoi ne voulez-vous pas partir à l'hôpital? Non, je ne veux pas aller là-bas. S'il te plaît, on y va à l'hôpital. Je crois que c'est là-bas qu'ils vont déceler ce qui ne va pas. Je préfère mourir ici que d'aller à... Oh Jésus, oh mon Dieu, je ramène mon mari en tant que saint. C'est toi le médecin par excellence. C'est toi le chirurgien par excellence, mon Dieu. La Bible dit que celui qui se confie en toi ne sera jamais dessus. Je les entends tout de suite, mon Dieu. Viens les guérir, mon Dieu, je t'en prie. Éloigne de nous cet esprit de maladie. Au nom de Jésus, sois guéri, reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. C'est bon. Remercions le Seigneur parce qu'il dort. Merci Jésus. Merci. Pasteur. Alors, comment se porte-t-il maintenant? Il restait toujours sur sa décision. Nous venons à peine de prier pour lui. Je me pose des questions jusqu'à présent. Pourquoi est-ce qu'il refuse d'aller à l'hôpital? C'est bon, ça va, ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Ma chambre. Mon placard. Révérend Isaac, mais de quoi parlez-vous? Votre chambre? Votre placard? Cela veut dire quoi? Légal. C'est le diable. Moi, je suis... Je suis... Bishop. Révérend. Il est mort. Hé, Jésus, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh Marie, oh mon Dieu, je dois sûrement être en train de rêver. C'est le pas vrai. Hein? Oh mon Dieu, je t'en prie, aide-nous. Aide-nous, mon Dieu. Oh mon Dieu.
Farouk! Mais il est où cet idiot? Farouk! Farouk, ouvre! Ouvre le portail! Farouk! 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 Oh mon Dieu! Il m'a enfermé? Farouk! Mon Dieu, je dois m'en aller. Je dois partir. Farouk! À l'aide! Ouvre-moi, s'il vous plaît. Je dois partir d'ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux m'en aller. Mon Dieu, non! Où comptais-tu partir? Bishop. Bishop, je t'en supplie. Laisse-moi partir d'ici. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Je t'en supplie. Je veux m'en aller. Pardon. Ok. Tu peux tout prendre. Prends l'argent. En fait, prends tout. Tu iras nulle part. Tu vas rester ici. Avec moi. So many things they happen, no. Oh. Help. God to help. Makanekwense irina mukotu. Mwata yivuru baiburu. We gonna touch you. Allô, mon cher. Oui, je suis désolé, mais je dois différer mon voyage pour Londres que je remets à la fin du mois. Mon cher, c'est vraiment urgent que ça va retarder mon voyage pour Londres. Oui, je t'en parlerai aujourd'hui pendant la nuit. Ok. Comment vont les enfants? Mon attention pour eux. À tout à l'heure. Je vous aime. So many things they happen, oh. God help, oh. Légal, je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir. Pourriez-vous être plus explicite? Bishop Bertrand, vous devez comprendre. Les signes sont évidents. Oh, mais de quoi parlez-vous exactement?
Je ne vous suis pas. Bishop, c'est aussi clair que de l'eau. Les gens meurent mystérieusement. Le nombre de membres à l'église diminue chaque jour. Les membres sont en train de quitter l'église, spécialement parce qu'ils ont peur. Spécialement ayant comme raison que les gens sont en train de mourir à l'église. Bishop, malgré tout ceci, tu ne parais pas t'en soucier. Le Gal, il y a de ceux-là qui sont vivants. Dieu nous protège. Dieu nous protège tous. C'est à chacun de nous de protéger ses arrières. Voyez-vous, le Gal, en ce moment précis, ça m'est égal. Tout ce que je sais que Dieu a dit, qu'il est capable de transformer un pécheur en un vrai croyant. Bishop, malgré ce qui arrive, tu ne parais pas t'en soucier. Mais quoi d'autre voulez-vous que je dise? Jésus-Christ dans la Bible a dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Nous sommes tous des pécheurs. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Bishop Bertrand, cette église a été bâtie par la grâce de Dieu. À part le fait que ça me ramène quelques ressources, je crois que vous ne l'avez pas oublié. Ah. Je peux maintenant voir où vous voulez en venir. Légal. Je n'apprécie pas trop lorsque les gens hésitent un peu fort. Je n'apprécie pas lorsque les gens ont peur d'affronter la réalité. Moi, j'aime ceux-là qui vont droit au but. Je peux maintenant comprendre que j'ai en face de moi une personne qui se plaint à cause de son revenu, qui vient de diminuer, et qui essaye de me faire la morale. Vous avez certainement remarqué que vous ne gagnez plus grand-chose, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire une chose. Légal. Cette église est maintenant la mienne. La population entière de l'église, tous les membres de l'église sont venus ici grâce à mon effort personnel. Je suis le seul et l'unique père spirituel de cette merveilleuse église. C'est moi qui ai reçu l'appel, et non vous. Alors si vous vous inquiétez à propos de l'argent que vous avez mis pour la construction de cette église, ne vous en faites pas. Je vous rembourserai tout l'argent que vous avez sorti pour cette église. Bishop Bertrand, tu es en train de parler comme un homme qui a déjà perdu tous ses sens. Je veux dire, comment pouvez-vous me renvoyer de ma propriété? Comment? Ephraim, n'essaye pas de faire semblant. Ok? Tu sais très bien de quoi je parle. Dis-moi combien t'as sorti, tout ce que t'as sorti, et je te le paierai sans échéance. Je vois. Ceci a toujours été ton plus grand souhait. Je l'ai vu, mais je l'ai ignoré. Bishop Bertrand, ne vous en faites pas. Je vais disposer tout ceci à ma propre manière. Je ne suis pas contre que tu veuilles disposer quoi que ce soit. Juste rappelle-toi, après que tu aies disposé je ne sais moi quoi, s'il te plaît, n'oublie pas cette chose. Parce que la direction de cette église est maintenant sous mon contrôle. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de gens comme vous, qui pensent qu'ils possèdent le monde, qui pensent qu'ils peuvent facilement faire du mal à une personne comme moi et me ravir ce qui m'appartient. Je viens de le dire, et je l'ai dit encore, mais je ne vais plus me répéter. Plus jamais. Dis-moi ton prix. Et je te paye.
D'accord, Bishop. C'est ce qu'on va voir. Bishop Bertrand, bonne chance. La calamité suit celui qui défie son supérieur. Où êtes-vous? Bien. Je descends là moi-même. J'ai un travail pour vous. Trop bien. Ne l'avais-tu pas voté? N'es-tu pas l'un des anciens de l'église? Ouais, légal, comme je vous l'ai dit. Avant, ce n'était qu'une suspicion. Mais maintenant, avec tout ce que vous avez dit, les choses commencent à me revenir. Tout est devenu maintenant très clair. Oui, mais maintenant, laisse-moi vous demander. Quels sont tes plans? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que pour moi, je pense que je vais arrêter de venir à l'église. Ancien Mathieu. Légal. Quels gens veux-tu voir venir à l'église? Non, dis-moi. Quelle personne, avec toutes ses capacités mentales, acceptera de fréquenter une telle église? La quasi-totalité de nos membres ont arrêté de venir à l'église. Et je ne les blâme pas. Comment pouvez-vous adorer Dieu dans un endroit où des tragiques événements se suivent l'un après l'autre? Régulièrement, même dans les choses les plus petites, des morts mystérieuses? Au début, c'était la première femme du bishop, Elda. Qui sait? Elle est morte mystérieusement. Près de temps après sa mort, notre bishop, Bertrand, a épousé une autre femme, Evelyn. Peu de temps après, elle aussi, elle est morte mystérieusement. Qu'en est-il de le diacre Samson? Qu'en est-il de révérend Isaac? Légal, essaies-tu de me dire que le bishop est à la base de la mort du révérend Isaac? Ancien Mathieu, je ne le dis pas pour soupçonner une personne. Vois combien les choses vont de pair. Toute personne ou tout celui qui conteste le bishop Bertrand meurt toujours d'une façon très mystérieuse. Le diacre Samson l'a défié quand il a voulu prendre une autre femme juste après la mort de sa première femme. Et le diacre est mort mystérieusement. Et alors, révérend Isaac avait des problèmes avec lui. Tu sais, j'avais organisé une petite fête de réconciliation chez moi. Pendant qu'on était encore à la maison, le révérend Isaac a succombé. Et avant de le remarquer, il mourut. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je croie? Les gars, il doit forcément y avoir un problème. Attendez, s'il vous plaît. Une chose m'est revenue à l'esprit pendant que vous parlez. C'est quoi? Avez-vous remarqué que la nouvelle femme du bishop ne vient plus jamais à l'église depuis tout ce temps? Oui. Écoutez les gars, je ne peux plus attendre pour massacrer ce type. Je veux dire, je dois faire sauter la cervelle de ce type. Je ne peux plus attendre, j'ai déjà chaud. Oh le mec, relax. Relax, tout est dans le sac, tout ira bien. Nous devons être apaisés parce que c'est notre travail. Le gars, le voilà qui arrive. Le voilà. Stop, stop. Monsieur, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Regardez ces gens, près du portail. Pourquoi il y a cette voiture? Et cela veut dire quoi? Apparemment, il y a 4 gars. L'un d'eux s'approche
Hé, hey mec, reviens ici, tu vas te faire remarquer. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sois calme, ça pourrait être un piège, sois calme. Pourquoi est-ce que tu as les sangs chauds comme ça? Mec, sois calme, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Alors qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Tournez ces véhicules et faites-moi sortir de cet endroit. Allez, démarre, démarre, démarre. Ah, mec, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils ont changé de chemin. Ils ont compris. Homo. Donc il nous a repérés. Man, allez, vas-y, roule. On doit suivre ce type, non? Oh, man, man, tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Et si c'était un piège? Alors comment on va le faire, non? C'est comme s'ils ont compris que nous étions là. Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? On fait quoi? Et si c'est un piège, qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons pas aller là-bas pour le battre. Nous devons attendre ici. Vous avez oublié ce qui s'était passé l'autre fois? Et si c'était vraiment un piège? Ça serait une mission suicide. On ira là-bas rien que pour se faire tuer. Après notre mort, qu'allons-nous faire de notre argent? Comprenez, non? Vous savez ce que nous allons faire? Qu'allons-nous faire? Je pense que ces gars, il a bien réfléchi. Nous ne devons pas suivre ces gens. Si on le fait, nous allons mourir. Nous devons réfléchir sur ce qu'il vient de dire. Ce que nous devons faire, c'est de nous replier. Hein? Alors, nous allons planifier à nouveau. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas les faire maintenant. Comme on dit toujours, mieux vaut reculer pour mieux sauter. Et comme notre commanditaire l'avait dit, nous n'avons pas droit à l'erreur. Alors, pour ce faire, nous devons planifier à nouveau. Écoutez, on doit les faire prochainement. Pour l'instant, nous devons... C'est ça la décision finale? Allons-y. Ok, entrez. Et dans la bagnole. Ouais. Je dis tais-toi. Tais-toi. Que veux-tu dire par vous ne l'avez pas eu? Hein? Comment l'avez-vous raté? Vous avez accompli des missions jadis plus compliquées que ça. Et vous me dites que vous n'avez pas pu la voir? Un seul homme? Hein? Vas-tu la fermer, je parle? Ferme-la! Vous êtes tous des idiots. Vous êtes tous des fils de pute. Espèce de culotte mouillée. Bougnole. Taisez-vous. Juste, ne parlez plus. Hein? Un seul homme? Un seul homme? Vous avez échoué? Vous avez de la chance que vous ne soyez pas ici. Bande d'idiots. Je ne dirais pas que je suis surpris de votre visite. Parce que le bon Dieu m'avait ouvert les yeux pour voir toutes les atrocités que votre soi-disant bishop faisait. Et même pour le cas où la plupart de vos membres du choral qui vont le voir pour leur délivrance, elles font des pratiques sexuelles avec lui. Mais permettez-moi de vous demander... Pourquoi vous êtes venu me voir au moment où il y a plusieurs hommes de Dieu ici? Nous avons prié. Et je crois fermement que c'est le Saint-Esprit qui nous a envoyés vers toi. Oui, c'est ça. Ok, c'est très bien. La vérité est que... C'est que... La bataille que vous voulez affronter, ce n'est pas une bataille ordinaire. Parce que ces soi-disant
Bishop Bertrand est un occultiste. Son pouvoir vient du monde des ténèbres. Hein? C'est pourquoi il a tué ses femmes, ses deux fils. Je veux dire, toutes les femmes qui vont l'avoir pour la délivrance, elles sont toutes utilisées pour les rituels. J'aimerais vous dire ceci. Les bons dieux du ciel m'avaient ouvert les yeux pour voir toutes ces choses. Moi et tous les hommes de Dieu ici avons prié pour que Dieu mette fin à toutes ces choses. Pour que des gens comme vous puissent voir qu'il ne sert pas notre Dieu. C'est vraiment le Seigneur. Je investis tout mon argent, tout l'argent que j'avais pour bâtir cette œuvre. J'ai bâti cette œuvre au nom de Dieu et non au nom du bishop, d'un rituel non plus ou de quelque nom que ce soit. Moi, on m'a appris le contraire. On m'avait dit que l'église a été bâtie par les bishops. C'est vraiment ce que je sais. Ce n'est pas son œuvre. Ok, c'est bon, ce n'est pas un problème, ok? C'est moi qui ai établi cette église. Et le bishop est venu après? Oui. Donc ce n'était pas lui? Non. C'est bon, mes frères. Je crois à la victoire parce que Dieu nous a tout révélé. Ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il est grand temps pour nous d'entrer dans la bataille. J'aimerais qu'on s'élève pour prier. Ah, merci Seigneur. Oh Père, merci pour ces moments. Le Seigneur notre Dieu nous dit dans sa parole que tout celui qui invoquera son nom, à n'importe quel moment, si vous invoquez le nom de l'Éternel, il vous répondra. Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous pensez que vous êtes en train de prier? Oh non, vous blaguez! Vous n'êtes que de vauriens. Oui, c'est ce que vous êtes. Vous pouvez être n'importe où. N'importe où! Mais mon esprit peut apparaître où que ce soit pour faire le travail. Vous pensez que vous êtes en train de prier? Ephraïm, tu penses que tu vas t'en sortir? Tu peux être n'importe où. Moi, ici, dans mon temple, je te contrôle et je vais te tuer sans pitié. Hey! Mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus.
sang de Jésus, oh mon ami. Mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami. Mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Oh mon ami, le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus. Oh mon ami. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Seigneur Père Céleste, nous implorons ta présence en cet endroit. Oh Père, écoutez de tes enfants, nous demandons ta présence, nous demandons ta présence. Nous demandons ta présence. Oh Père, écoutez de Dieu. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Père, continuez à prier. Au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends ta vie ici pour les démons. Au nom de Jésus, toi puissant du diable, sors de ton. Au nom de Jésus, toi démon, sors. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Toi esprit maléfique, sors de cet homme, sors au nom de Jésus. Je m'oppose contre toi au nom de Jésus. Je m'oppose contre toi au nom de Jésus-Christ. Cet homme est couvert par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Tu n'as aucune autorité sur lui. Libère sa vie. C'est un fils de Dieu. Je m'oppose contre toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'oppose contre toi au nom de Jésus. Je m'oppose contre toi au nom de Jésus. Père. Je m'oppose contre toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. 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 Je te cherche au nom de Jésus. Alléluia.
Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regarde, il va où? Dis-lui de ne pas entrer là-bas. Restez dans l'attitude de prière. Mais n'ayez crainte de rien. Seigneur, je prends possession sur tout esprit maléfique. Tout mauvais esprit qui se retrouve en ce lieu, je vous saisis au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'il est vivant, qu'il est en vie. Attends, nous allons vérifier. Il est mort. C'est malheureux pour ton âme. Il est mort, mais il touche encore sa canne. Comment est-ce possible? Mes frères, il n'y a rien à craindre. C'est malheureux pour ton âme. Nous pouvons partir. Il brise le chêne, il brise le chêne. Sors! Au nom de Jésus, sors! 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 J'ai ton don de sortir! J'ai ton don de sortir! Au nom de Jésus, sors! 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 Toi, esprit des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, libère ses corps! Libère ses corps! Sors! Sors! Libère ses corps! Libère ses corps! Libère ses corps! Libère ses corps! Au nom de Jésus! Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Sors de ces corps. Maintenant. Libère ces corps. Maintenant. Libère ces corps. Maintenant. Sors de ces corps. Sors de ces corps. Sors. 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 Sors de ces corps. Sors de ces corps maintenant. Libère ses corps. Je t'en donne de libérer ses corps au nom de Jésus. Sors! 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 J'ai dit sors! Sors maintenant! Sors maintenant! J'ai dit sors! Maintenant! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ! J'ai dit sors! Sors au nom de Jésus! Il brise le chêne. Il brise le chêne. Le chêne. Il brise, le chêne. Qu'il soit loué. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Il brise le chêne. Mes chers, Dieu avait un but dans votre vie. C'est pourquoi il vous a secouru. Il vous a délivré de tout le pouvoir obscur de votre mari. Eux-mêmes, les diacres de l'église, ils étaient tous sous l'emprise du diable. Ça va aller. Ça va. Ma chère sœur, arrête de pleurer. C'est vraiment pénible.
c'est fini ma soeur, c'est fini. Ne pleure pas. Je crois que tous ceux qui sont victimes du diable aujourd'hui, c'est ça. Je crois que Dieu va les protéger et les délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix règne dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis, ceci doit être une leçon pour des gens qui vont aveuglément dans des églises, qui adhèrent dans des églises sans pour autant avoir une révélation. En fait, vous devez savoir quelle est la personne dont vous voulez abandonner votre vie. Dès nos jours, nous avons beaucoup de faux pasteurs. Vous devez jeûner et prier avant de choisir une église. Parce que Dieu doit vous révéler qui doit être réellement votre pasteur. Et je prie que personne d'entre vous, plus personne parmi vous subira une telle attaque. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il nous a vraiment manipulés. On a perdu beaucoup de nos anciens. Ma chère. Pasteur, il m'a pris mon mari. C'est bon. Mon mari n'existe plus. C'est voilà bon. Que les autres sont là. Allez, ça va. Calme-toi. C'est Dieu qui a voulu que ce passé passe ainsi. Calme-toi. Louons l'Éternel. Alléluia. He has given me victory. Amen.